Bonjour. Bonjour la famille. On espère que tout le monde va bien. Donc là, aujourd'hui, on va aller faire les courses. Je disais que là, on va aller faire les courses avec Hikma parce que j'ai l'impression qu'à la maison, je suis tout le temps en train de courir pour faire les courses pour qu'ils aient de quoi manger. Mais au final, ils ne savent pas du tout ce qu'on achète. Donc aujourd'hui, Hikma, elle va avoir la liste. Oui, moi, elle va avoir la liste de courses. Attends. Oui, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Un livre. Oui. Hikman. Oui, on va pas acheter des livres, on va aller faire les courses. En fait, tu vas aller faire les courses. Puisque c'est Hikman qui va tout choisir. Elle doit deviner dans sa tête ce qu'on mange tous les jours à la maison. Et comme ça, elle va pouvoir remplir le panier avec toutes les courses. Ça va? Mais si. Non. Mais si. Mais si. Je... Oh, là, oui. Là. Oh là là, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Elle est tout là, Hikma. Oui, les gens, ils ont tout laissé traîner comme ça. Oui. Oui, c'est pas normal. Donc voilà, et je vais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup touchée avant-hier parce qu'on a publié la vidéo Big Bryant. C'est une marque de blanchiment dentaire à domicile. Et j'ai travaillé personnellement pour essayer en fait de faire une petite mise en scène pour que la vidéo soit agréable à regarder et que ça soit un peu bien. Et vous étiez nombreux à ne pas avoir aimé cette mise en scène que j'avais fait. Et donc vous disiez que ça ne vous plaise pas parce que vous avez trouvé que j'ai fait beaucoup de classement de produits sur cette vidéo. Le classement de produits sur YouTube, c'est quelque chose qui est là et qui existe depuis longtemps. Parce que même quand je vous amène avec moi comme là, où on va aller faire les courses, on nous a pas payé pour aller filmer, ni on nous a pas sponsorisé pour aller faire les courses chez eux. Et pourtant, on va aller faire les courses et on va les publier sur notre chaîne. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, c'est que il faut pas penser que quand on vous présente des produits, vous dites tout de suite que ce sont des placements de produits et tout, parce que le placement de produit, comme je vous l'ai dit, on le fait tout le temps. Même quand je suis dans mon lit et je parle avec vous, là où je dors, ce que je mange, ce que je fais, tout le temps on est entouré par des produits autour de nous et on peut pas s'empêcher de ne pas montrer ces produits là parce que ce sont les produits du quotidien qu'on utilise tous les jours. En gros, pour vous dire qu'il faut pas que vous sentez mal parce que on publie des vidéos où il y a des marques qui nous envoient des produits à tester et nous on essaie de voir si on peut avoir un code promo pour que vous aussi vous puissiez en bénéficier. Moi, par rapport à la vidéo de hier, ça m'a vraiment blessée parce que j'ai passé 2 heures à travailler sur cette vidéo pour que ça puisse vous plaire. Le but de la chaîne, c'est pas de faire quelque chose que vous n'allez pas aimer, mais plutôt de faire quelque chose que vous allez aimer, que vous allez prendre plaisir à regarder. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire par rapport à cette histoire de placement de produits. Et donc maintenant on va y aller, hein, on va aller faire les courses et tout, et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Tu fais quoi avec moi? Hein? Il nous faut un jouton. Ah pas avec un jouton là? Oui, il nous faut un jouton. Ah avec un jouton? Oui. Non, Hikma, s'il te plaît. On est là pour faire quoi? On est là pour faire les courses. Pas pour acheter des classes de neige. Maman. S'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Non. Je te dis non. Regarde-moi ce qu'elle veut prendre. C'est non. C'est non. Oh. Tu as fait tomber les affaires. Ramasse. Ramasse. Oui, mais tu ramasses. Voilà. Faut toujours ramasser. Pose ça s'il te plaît. On va faire les courses et après on verra, d'accord? Prends le caddie. Qu'est-ce qu'on prend en premier à la maison? Qu'est-ce qu'on mange à la maison déjà? On mange quoi? Goûter. Goûter? Et on mange quoi encore? Pâté. Ok, ben je te laisse faire. Tout seul? Oui, tout seul. C'est toi qui fais les courses. Pourquoi tu me goûtes, maman? Oui, c'est toi qui fais les courses. Regarde tout ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Là, par exemple, je vois, il y a du lait, il y a des pâtes. On prend des gâteaux? Chocolat. Donc, on prend ça. Ouais.
Et on prend pas quelque chose d'autre, Hikma, tu n'as pas oublié? Est-ce qu'on mange des pâtes à la maison ou non? Okay. De toute façon, moi je te laisse faire. Hein. Je te laisse faire. C'est quoi ça, Hikma? C'est des jus. Ok. Hein? Allez. On va où? On va où? On va où? Ok. Je te suis, hein. C'est quoi tu prends? Et ça? C'est quoi? Titi. On va manger ça? Mmh. Tu es sûr? Mmh. Ok. Bon, ben, je te laisse mettre dans le panier, puisque c'est toi qui fais les cours. Tu veux ça? Tu me fais trop rire. Bon, j'ai Ticola. Tu préfères ça? Ok. En fait, on va quitter le magasin avec que des gâteaux. Ah bon? Allez, c'est moi. Quoi? J'ai pas compris. Lundi. Lundi? Oui. Tu es sûr on doit prendre ça, Hikma? Et quoi, maman, écoute? Ouais, ben je te suis, c'est toi qui fais les cours. Alors, là, on est passé au rayon yaourt. Tu n'as rien pris? En fait, à la maison, on mange pas de yaourt. Hein? On mange pas de yaourt à la maison? Non, on n'aime pas de yaourt. Tu n'aimes pas les yaourts? Non. Tu es sûr? Tu es la première quand j'achète des yaourts où tu prends. Non, mais c'est bon. C'est bon? Oui. On prend que ça? Alors, on va où là? On va où là, Hikma? À la caisse. On va à la caisse? Non. Parce que là, tu as fini? Non, t'as pas. Ah, un! Quoi? 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 Un, deux, trois. Où? Après, je tourne. Après, tu tournes? Oui. Ok. Alors, Hikma, elle s'est rendue compte qu'elle a oublié d'acheter des glaces. C'est ça? Non, les frites. Tu préfères les frites? Ouais. Non. Là, elle a changé d'avis. Elle veut des frites. Avec les cordons bleus? Oui, on peut prendre. Voilà. Hop, hop. Oui, il faut fermer la porte. C'est très bien, Hikma. Et là, on va où en caisse? Non. On va où encore? Donc là, Hikma, elle a trouvé ses glaces parce qu'elle cherchait des glaces. Mais le rayon est vide, en fait. Le frigo est vide. Est vide. Tu prends quoi? Ça. Tu prends ça? Ouais. C'est tout seul. Tu le prends tout seul? Tu aimes bien? Ouais. Ok. Voilà. Écoute, moi, je vais prendre celui-ci. Hein. Non, papa, il prend. Oui, je prends ça. Tiens, pour moi. Oui. Tu fais attention, la dame. Là, cette fois-ci, on va en caisse. Oui. Ok. On a fini nos courses. Là, on va à la maison. Elle est tombée. On s'est arrêté quelques instants au parc avec nos courses. Hein. Il fait très très beau là, c'est super. Donc comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas le prendre mal mes propos parce que je trouve qu'on est une famille et si jamais on vous parle d'une marque particulière ou si jamais on vous montre un produit, c'est parce qu'on estime que ce produit correspond complètement à nos critères en tant que famille. Voilà, on ne va jamais vous parler d'un produit qui ne correspond pas du tout à nos valeurs ni qui ne rentre pas du tout dans notre univers, juste pour dire qu'on le fait. Si on vous parle d'un produit, c'est parce qu'on a réfléchi et qu'on voit que c'est un produit qui peut être utile pour les familles ou plus ou moins pour tout le monde. Donc voilà, on va s'arrêter là, hein, Hikma? Oui. On va s'arrêter là? Donc on va arrêter notre vlog ici, on va rentrer à la maison. La prochaine fois, ça sera Adidson qui viendra avec moi pour aller faire les courses et voir si Adidson il est capable de reconnaître tout ce qu'on mange à la maison. À savoir que là, Hikma, elle a pris que des chose sucrée. Pas vrai, Hikma? Oui. Tu as pris quoi et quoi? Chocolat. Mm-hmm.
des cordons bleus. Oui, des cordons bleus. Elle a pris des cordons bleus quand même, attention, hein. Elle a bien choisi, hein. Elle a pris des gâteaux, elle a pris des glaces, elle a pris que des choses à elle en fait, des choses qui lui fait plaisir. Oui. Et en fait, j'ai oublié de vous dire que dans 2 mois, c'est l'anniversaire de Hikma, elle va avoir 18 ans. Donc, ça sera ton anniversaire. Ouais, ton anniversaire. Oui. Donc voilà, on va voir si on va faire peut-être une petite fête, mais de toute façon, on vous tiendra au courant de tout ça. Boum. On va faire une boum. Oui. Tu vas danser? Oui. Tu sais danser? Oui. Danse quelque chose. Montre-nous. Alors Hikma, elle sait chanter que cette chanson-là. Vas-y. Eh bien, on espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager. Oui. Hier, j'étais méchée, hier, j'ai le vlog. Oui. 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 Et on vous fait plein de bisous. On vous dit à très vite. Mouah.